T'as besoin d'adapter ou de traduire un texte en plusieurs langues? Eh bah, ben, j'ai la solution. Salut les passionnés de la création. Je suis Guillaume Sorel, un artiste polyvalent en quête d'aventures excitantes. Alors, j'ai créé ma chaîne YouTube pour partager mes connaissances en graphisme depuis le confinement et maintenant, bah, j'ai envie de faire évoluer et d'aller plus loin et de montrer ce que je suis capable de faire. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l'action et rejoignez-moi pour cette nouvelle aventure. Découvrez ce que j'ai en réserve pour vous et aujourd'hui, je suis sûr que vous allez adorer. Je vous explique ce que ChatGPT peut faire en matière de traduction. Supposons que vous ayez un chatbot qui aide les clients internationaux à trouver des informations sur vos produits et services. Si un client parle français et que vous ne le parlez pas, eh ben, vous pouvez utiliser ChatGPT pour traduire instantanément ce que dit le client en anglais. Le chatbot alors peut utiliser cette traduction pour fournir une réponse utile au client en français. Ce même processus peut être répété pour n'importe quelle langue que le client parle. ChatGPT peut être formé pour traduire dans de nombreuses langues différentes, ce qui permet de répondre aux clients dans leur langue maternelle et d'améliorer l'expérience client. Cet exemple montre comment ChatGPT peut être utilisé pour améliorer la communication avec les clients internationaux et pour aider à surmonter les obstacles linguistiques. Et voilà, alors si tu veux vraiment tout savoir sur ChatGPT, continue cette mini-série de 5 épisodes et ne manque pas cette occasion en or de découvrir tout ce qu'il y a à savoir. Avec ma formation en ligne, tu auras une compréhension à fond des bases de ChatGPT et comment les utiliser pour créer des trucs vraiment cool. En plus, je fais régulièrement des réductions, alors ça c'est une affaire. Ne tarde plus et rejoins-moi dès maintenant, en cliquant dans le lien dans la description. Sois toujours en avance, c'est ma devise.